J9, méditation avec Ayurnatur. Je vous invite à vous installer confortablement sur votre chaise, sur un tapis ou simplement au sol. Prenez soin de garder votre dos droit, mais relaxé, détendu. Détendez aussi les mâchoires, votre front, les épaules, le bassin et toute autre zone, toute autre partie du corps qui puisse être relaxée maintenant. Nous allons commencer par effectuer 3 respirations ventrales. Commencez par vider votre ventre, vider, expirez. Puis inspirez sur 4 temps. Expirez sur 8 temps. Inspirez sur 4. Expirez sur 8. Inspirez sur 4. Expirez sur 8. Lors de la création de l'univers, à l'intérieur d'Akash, là où le son existait, il y a un mouvement qui prend place. C'est un mouvement erratique, comme du vent. Il s'agit du deuxième élément à avoir naissance lors de la création de l'univers, l'air, Vayu. Quand l'air touche votre peau, vous avez la sensation du toucher. C'est ainsi qu'à l'intérieur de cet air, on va pouvoir percevoir la sensation du toucher. Spash, le toucher. Aujourd'hui, je vous invite à observer les sensations de votre corps. Mais pour que cette observation elle soit le plus facile possible, nous allons porter notre attention sur un endroit très spécifique, votre voûte plantaire. Observez les sensations que vous avez au niveau de votre voûte plantaire. Si vos pieds sont appuyés sur le sol, vous ressentez sûrement un certain poids. Vous ressentez peut-être de la légèreté. Vous ressentez peut-être des petits picotements, de la chaleur, de la froideur, des rugosités, peut-être de la douleur. Observez
les sensations que vous avez au niveau de votre voûte plantaire, sans porter de jugement. Observez tout simplement le toucher, la sensation du toucher, Sparsh. Observez vos orteils. Siège de votre cerveau, selon la réflexologie plantaire. Vos orteils sont primordiaux. Observez les sensations que vous avez au niveau de vos orteils. Est-ce que vos orteils sont libres, relaxés, confortables? Si jamais vous ne sentez pas, vous ne ressentez pas la sensation de confort, vous pouvez activement ramener du confort à cette zone. Vous pouvez activement procurer de la chaleur juste avec votre pensée. Observez maintenant les coussinets. Les coussinets correspondent à votre cage thoraxique, à vos poumons, en réflexologie plantaire. Encore une fois, observez les sensations que vous avez à cet endroit-là. Les sensations de toucher, de sparsh, à cet endroit-là. Et encore une fois, procurez de la relaxation, du confort, de la chaleur, de la décontraction, activement, si nécessaire. Descendez un peu plus bas, au milieu de votre voûte plantaire, à cet endroit où le pied est normalement un peu creux, à toute cette zone qu'en réflexologie plantaire correspond à vos organes digestifs, à vos reins, à tous les organes internes de votre corps. Observez les sensations que vous avez dans cet endroit précis de votre voûte plantaire. Encore une fois, procurez de la relaxation, de l'apaisement, du confort, de façon active, à travers votre volonté, si nécessaire. Puis observez votre talon, observez les sensations à ce niveau-là, peut-être le poids de votre voûte plantaire sur le sol, peut-être le toucher de votre talon sur un vêtement, ou toute une autre sensation. Et encore une fois, relaxez activement cette zone. Vous pouvez maintenant bouger tranquillement vos orteils. Revenir doucement à l'instant présent pour ensuite ouvrir les yeux. Bonne journée.